Yo tout le monde, c'est Hiti, je suis tahitienne et j'adore voyager. Bienvenue dans un nouveau vlog les gars, c'est la première fois que je vais faire un vlog ici en Polynésie française. On est parti pour l'île de Huahine, c'est la première fois qu'on va aller là-bas avec Manu et j'espère qu'on va kiffer. Pour la petite histoire, en fait c'est juste une amie, elle nous a dit venez on va à Huahine et nous on savait qu'on est fous, du coup on a dit what the fuck, vas-y, on te suit, on y va. Wesh, en vrai, ça fait trop bizarre de vlogger genre dans son propre pays. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon, petite dégustation dans l'avion. Je déguste déjà. Petit chopeau. Si vous venez à Tahiti, vous êtes obligé de goûter ça. Cette première bouchée où t'as du pain. Parce qu'en fait, le cochon, il est carrément à l'intérieur. La deuxième bouchée, c'est la bouchée parfaite. Les petits bouchons, vous en faites pas. C'est normal, à Tahiti, c'est tout est XXL. On mange beaucoup. Excellent. Un bon petit déjeuner à la tahitienne. On va aller s'enregistrer et ensuite on va décoller. Voilà la pote avec qui on part. C'est elle qui a tout prévu. Du coup, si c'est nul, c'est sa faute. Oui. C'est quoi le problème? Je ne trouve pas la réservation de Morgan parce que ça a été échangé. Ça veut dire qu'elle va aller au cockpit car elle va aller sur le pilote. J'ai dit les gars, si ça merde, c'est sa faute. On a rien fait. On est devant Air Tahiti, la boutique, et apparemment là notre copine elle est obligée de repayer son billet. Et le pire c'est qu'il n'y a qu'un air, ça a bugué. Parce qu'à nous deux, on n'a pas encore enregistré de bagages, il est 6h20, on part à 5h. Une des billets. Et qu'on avait... Ce qui me fait peur c'est que ça, il y a eu un bug. Elle est passée par une agence et elle a compris. Sauf que je crois que l'agence par laquelle elle est passée, elle a fait les vols plus l'hébergement. Oh non. Du coup je me dis, ça se trouve on arrive là-bas, il n'y a pas de réservation. Oh non, on croise les doigts pour partir. Yes les gars, on part. C'est moi qui réserve tout et c'est moi qui ai des emmerdes. C'est magnifique. Ça. Allez, let's go to Huahine. Petit escalade et ensuite on part à Huahine. Et ça continue les gars. Il pleut ici à Huahine. C'est la grosse pluie. Ouais. Tout mouillé, mais seulement que c'est imperméable. Elle va nous emmener là où on doit loger. Du coup, on est à la pension Poeteina. Il pleut. Super l'arrivée avec la pluie. On va rester à la pension parce qu'il y a une petite piscine en dessous jusqu'à ce qu'il pleuve plus. Enfin, j'espère qu'il va plus pleuvoir. Désolé pour le sang, on est ok à goûter une spécialité locale, macaron chocolat coco. J'ai flashé sur ça et c'était le seul truc local. Mais genre, ça a pas l'air bon. Si, c'est bon. En vrai, on dirait les biscuits Arnott au coco et au chocolat. Ça que j'aime bien. C'est pas un mousse, bon. C'est dingue, en fait. C'est une mousse au chocolat au milieu. Ah, c'est trop bon. C'est l'eau, la caméra. On va aller chercher une voiture à louer. Wesh, on était calmement posés là. Attends, la ça voiture. Ça a pété. Non, c'est merde, mais ça va. Et en fait, on voit une raie. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment dans les îles. Non, en gros, depuis 10 heures, on attend la voiture. Il est actuellement presque 11 heures. Et on a 30 minutes encore à attendre. Sinon, il pleut plus. C'était vraiment le cadeau de bienvenue. On avait une heure d'attente, c'est ça, hein? Une heure, ouais. Et demie. On s'est dit, ça va vite passer le temps qu'on fasse le tour du village. Non, 5 minutes, ça a pris 10 minutes. Le tour du village. Du plus grand village en plus. Parce que Faré, apparemment, c'est le village le plus grand. Il y est à Huahine et il y en a 4 sur la grande île, donc Huahine Nui, et 4 sur la petite île Huahine Iti. Et du coup, on va faire ça aujourd'hui. J'ai la voix éclatée. De location numéro 55. Les petites Dacia qu'on déteste. C'est clair. Putain, elle pouvait pas nous filer une BM. C'est pas le même prix non plus. Dis-moi au moins qu'elle a pas un marche arrière bizarre. Ça, putain, on voit pas les vitesses. Ouais, à tout moment, on part en marche arrière. Et ouais, bah vas-y, ouais, avance. Ça, c'est l'arrière. T'es sûr? Attends, on va laisser tout le monde partir. Ah, recule, recule. Pourquoi? Bah, recule. Ouais, je sors comme lui, il est sorti. Comme ça, on teste la marche arrière. Oh putain, je sais mettre la marche arrière. Ok, on est bon. On peut vérifier si elle est pas. Ouais, c'est clair, j'ai envie. T'inquiète, c'est Huahine, y'a pas de photo. Huahine. Petit panorama 50 Shades of Blue les gars à Huahine, c'est trop beau. Franchement, c'est la première fois que je vois un bleu aussi magnifique. On est dans la commune de Tefaareli. De toute façon, je mets toujours les infos juste ici. Et franchement, la bagnole, elle est pas mal. Hein. On est bien, non? Attends, il y a une BM là. Et Manu, son nouveau kiff, c'est les BM.
Depuis qu'il y a mon cousin là qui a acheté sa BM et qui fait plein de drifts. Du coup, il est ébahi par la voiture. On voit ce qu'on fait après. Non, on va manger là. Ça, on va manger. Ah bon, voilà, faut nourrir ce gros. C'est pas comme s'il avait mangé 4 chocos, je sais pas combien de nems, enfin des trucs comme ça quoi. Oh regarde un truc à manger alors. On vient d'arriver à un spot, c'est toujours dans la commune de Tefariri. Et les gars, maman, la couleur de l'eau de mer, elle est trop belle. On continue sur les 50 shades of blue. C'est trop magnifique. Franchement, Guarine, c'est trop beau. Bon, du coup, on a été obligé de s'arrêter alors que lui, il a faim. T'as toujours faim? Ça t'a coupé l'appétit? Pas du tout. On va les taper. Il y a des poules là, il faut la manger, regarde. Il y a des poules. Ah oui, spécialité ici à Tahiti. À Tahiti, il y a des poules partout, des poules sauvages partout. Servez-vous, hein, si vous voulez manger, c'est gratuit. Regarde cette poule. Mais elle a même pas peur de nous. Elle s'en fout. On est arrivé au Mara Anini. Maman, la plage, l'une des plus belles plages du monde. Sauf que la poisse nous suit. Les gars, l'eau, elle est trop bonne. Innocente. Elle est chaude. Innocente. Attends, en fait, vous voyez sur la voiture de location, normalement, il y a un poisson. Elle a perdu le poisson. Ouais, c'est pas un vrai poisson. Hein. C'est genre porte-clé poisson. Ben, elle a perdu. Et du coup, là, on peut pas se baigner parce que la poisse, il pleut sans même. Bon. J'espère que ce week-end va s'améliorer et qu'on va pouvoir aller se baigner au moins quelque part. Allez, à la poursuite du soleil, c'est parti. Les gars, on est arrivé là où il y a les anguilles sacrées, dans le village de Faye. On va descendre là, les gars. C'est de la vraie exploration. Manu, il m'a même pas entendu, il a juste sauté. Tentative de rapprochement. Du mal à la technique. Manu là, il est parti acheter du tamono en fait pour pouvoir donner aux anguilles pour qu'on puisse les voir un peu mieux. Parce qu'il y a une dame là, et ben, elle vend du tamono. Oui, c'est pour acheter du tamono pour les anguilles. Non. Merci, c'est bon. Ok, c'est ouvert. Bah heureusement parce que. Merci. Voilà, c'est moi qui vous le mets. Franchement, de toute la journée, c'est la meilleure activité. Je suis trop fan, moi, quand il y a des animaux comme ça. Du coup, là, Manu, il est en train de jeter le tamono. Jette! Mais tu jettes trop près d'elle aussi. Oh, il y en a une qui arrive. Oh non, il y en a une là, juste là. Oh, et parfait, faire comme ça. Voilà. Il y en a. Oh là là, je sais pas qu'elle se trompe. Hein. Wesh, maman, c'est pas mal de GoPro. What? Quand elle bouffe la GoPro, il bouffe la GoPro. J'ai des frissons. Alors, attends, il y a une demi-balaise. Pourquoi les balaises, ça se fait pas? Ça me donne des frissons, en vrai. Oh, vous avez vu, mais les yeux! Oh, trop beau! Voilà. Faut que tu récupères la GoPro, hein! Je ne fais pas du mal! Donc, on ne fait pas du mal! Va chercher! On est amis, hein! Check. Hey, tu filmes? Je vais récupérer la GoPro. Bon, tentative numéro 3 d'aller chercher la GoPro. Waouh, Manu l'a géré. Et là, lance ta mono. Là-bas? Non, ici, là où tu es. Non, mais je vais retourner par l'autre côté, comme ça je filme juste où je filme. Oh. Ah ouais, là-bas. Mais vous êtes prêts, toi? Wesh, ça a rien fait. Vas-y, touche. Ah, mais ça, on dirait juste un poisson. Attends, mais touche un peu ta main. C'est comme un poisson.
Ouais, ouais. Ce premier jour, c'était pas fameux. On a fait le tour de l'île. Et là, on est rentré à la pension. On va profiter de la piscine. Et ensuite, on a décidé qu'on allait manger ici. On va faire un truc que les locaux connaissent. Ça s'appelle le pota avec du poitro. Je vous montrerai ça après la piscine. C'est trop bon. Bon, changement de plan. On est dans la voiture parce qu'on veut pas aller à la piscine. On va aller à la mer. Elle est beaucoup plus chaude que la piscine. La piscine, elle est gelée, les gars. Du coup, on est à la mer avec un beau coucher de soleil. Première baignade. Ahouahine. Chaud, hein. Ben, c'est mieux que la piscine, en tout cas. Je préfère. Hein. Ouais, mais en fait, c'est pas assez profond. Peut-être là-bas, c'est plus. Non, là-bas où il y a le pic rouge, c'est profond. C'est carrément loin. Maman, on se baigne avec un coucher de soleil sur Bora Bora. C'est pas la belle vie, ça? Du coup, là, on a une plage juste à côté de la pension. C'est genre même pas une minute en voiture. On avait préféré venir en vélo, mais en fait, il n'y avait personne à la pension. Du coup, on savait pas si on pouvait prendre les vélos ou pas. Elle est fraîche quand même. Mais moi, je y aller. Oh non, il pleut, bébé. C'est abusé, on vient juste d'arriver, il pleut, regardez-moi ça. Oh non, première baignade. Ça n'aura pas duré longtemps. Ouais, c'est clair. C'est pas grave, demain j'en ai rien à foutre, je me baigne. Oh les gars, j'ai oublié de vous montrer notre super préparation de la cuisine qui tue. Parce qu'en fait, pour allumer le four, il faut demander à quelqu'un de l'endroit pour allumer le gaz. Sauf que en fait, pour allumer le feu là, il faut un briquet. Sauf qu'on n'avait pas de briquet. Enfin, il n'y a pas de briquet dans la pension. Du coup, résumons que j'ai toujours ce qu'il faut dans mes affaires. Bref, bon appétit on à tous. On prend des briquets, heureusement. J'avoue. En plus, c'est Manu qui vole les briquets des gens qui fument. Du coup, nos collègues, si vous voyez cette vidéo, vous savez où sont vos briquets. Oh, chose trop cool. On est tout seul dans la pension. Nous, tous les trois. Il n'y a que nous. C'est trop bien. Oh là là. Et c'est mieux qu'un hôtel 5 étoiles quand t'es tout seul. Voilà. Préparé par nous-mêmes. Du coup, ça, c'est le pota. Normalement, ça ressemble à ça. Et ça, c'est le poitro. En gros, c'est du beurre. Si vous passez à Tahiti, il faut que vous mangiez ça. C'est la base. Et bon appétit. Je pense que je vais arrêter le vlog là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Comme d'habitude, il y a le chat là. Il y a le chat qui veut vous dire bonsoir, bonjour. Il est en train de vous dire aussi de vous abonner juste en dessous. Et en attendant, je vous fais des bisous.